Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit nouveau sur le marché, le Flexify Drone. Alors, on retrouve dans ce kit plusieurs petites choses. Une première boîte d'accessoires avec dedans la pince pour écran ou smartphone, un jeu de clés, une antenne, des hélices de rechange et une deuxième antenne. Dans la deuxième boîte, on retrouve une partie des boules d'entraînement et le fameux système de crochet de largage. Dans la boîte ici, il nous reste deux boules d'entraînement, le drone dans son format valise et tout au fond de la boîte, la radio et une notice d'utilisation et un guide de démarrage. Comme on le remarque ici, le Flexify Drone est un drone pliable et facile à transporter. Dans son format valise, le drone mesure 21,5 de côté par 19,5 de hauteur. Nous allons maintenant passer le Flexify de son format valise à son format drone. Pour ceci, il vous faut déplier les divers bras du drone. Faire passer la poignée de l'autre côté du drone. Grâce à ce petit accessoire, relier le train d'atterrissage. Voilà, le drone est monté. Une fois déployé, le drone a une envergure de 56 cm et une dimension totale de 84 cm. Pour ce drone, deux modes de télécommande s'offrent à vous. Soit un smartphone, soit la radio. Le drone est équipé de 4 moteurs de 990 kV montés ici avec des hélices de 11 pouces par 4,5. Le drone vous est livré équipé de ces hélices, mais comme pour beaucoup d'autres modèles, il est équipé d'un serrage automatique. Le drone, lui, a un poids d'environ 1 kg et un poids de fonctionnement, c'est-à-dire batterie plus accessoires, crochet de largage, caméra, gimbal, d'un kilo 6. Comme beaucoup de drones aujourd'hui, il est équipé d'un GPS avec retour to home, ainsi que d'un emplacement multifonction. J'entends par une platine multifonction un emplacement ici sur l'avant du drone qui permet de rentrer ce genre de platine qu'on vient simplement clipser à l'avant du drone. Il est possible sur ce système de fixation de venir équiper 4 options. 2 créées par le fabricant du drone et 2 que l'on trouve chez d'autres fournisseurs. On retrouvera chez les autres fournisseurs la possibilité de venir y fixer une lampe ou alors une nacelle. Quant au fabricant Flexify, il nous permet ici deux options. Soit une platine simple équipée d'un support pour mini caméra, soit pour moi, ce que je trouve très intéressant, une platine équipée d'un crochet de largage. Pour installer une de ces options, comme ici le crochet de largage, rien de plus simple. Il vous suffit de l'insérer dans les deux ergots, puis de le clipser. Et enfin, venir récupérer la fiche cerveau ici présente et venir la brancher sur une des voies ici disponibles. Le drone, quant à lui, est alimenté par une batterie 5200 mAh en 4S, lui permettant une autonomie de 22 minutes. Utilisé en mode GPS, ce drone vous permettra des vitesses d'environ 15 à 20 km/h et en mode ATI des pointes à 25 km/h. Sa plus grande force réside dans le fait de pouvoir porter une charge d'environ 500-600 grammes
soit un poids total de fonctionnement de 2 kg. La radiocommande. On retrouve sur la radiocommande divers boutons. Ici, un bouton on-off. Ici, un bouton permettant de passer du mode 1 au mode 2. Ici, un bouton bind. Ici, les deux joysticks. Là, 4 boutons de réglage des trim. Et ici en haut, un interrupteur qui en position haute permet au drone d'être en mode GPS, position du milieu en mode ATI, position du bas en home lock. Et ici, un interrupteur qui en position haute permet le course lock, position du milieu une position neutre et position du bas le home lock. On notera que cette radio fonctionne avec des piles et non une batterie. Grâce à ce kit, il vous est possible de venir fixer ici sur votre radio un support pour smartphone. Commencez par insérer le support autour de la hanse de la radio et après venir écraser ici les deux bouts et insérer le clips. Serrez le tout. Voilà, le support est installé. Il ne vous reste plus qu'à venir mettre l'écrou, puis clipser la pince et la visser. Voilà, votre pince pour smartphone est prête. Afin de pouvoir utiliser votre smartphone pour piloter le drone ou même rentrer dans ses réglages, il vous faut tout d'abord installer l'application disponible sur le store qui s'appelle Flexify, puis à l'aide de l'émetteur vidéo USB auquel on rajoute son antenne, venir ici le connecter sur le câble USB, puis connecter ce câble à votre smartphone. Voilà, l'installation est terminée. Il vous appartiendra encore une fois à votre convenance de venir installer le système sur votre radio de façon pratique. Voilà, les présentations sont faites. Je vous invite donc à me retrouver dans un prochain tuto pour un vol d'essai.